SCP-327. Niveau de menace, jaune. Classe, Euclide. SCP-327 est un système de vidéosurveillance comprenant 20 caméras, ainsi que 5 postes de visionnage connectés à ces dernières. Le système était à l'origine utilisé dans le parking de 5 étages d'un centre commercial avant d'être récupéré par la Fondation. Sur les 20 retransmissions vidéo, 9 montrent les images filmées par les caméras correspondantes en temps réel et 5 ont un retard variable d'une caméra à une autre allant de 2 secondes à 1 minute et 20 secondes. L'anomalie se manifeste au niveau de la retransmission vidéo des 6 caméras restantes. En effet, les images sont affichées sur les postes de visionnage avant même que les caméras correspondantes n'aient pu les capter. Les caméras concernées par l'anomalie ont été désignées comme SCP-327, A, F. Des tests menés au site Aleph montrent que si les caméras de SCP-327 sont remplacées par des caméras ordinaires, ou que les postes auxquels elles sont reliées sont remplacés par des postes ordinaires, les images retransmises seront toutes en temps réel, comme pour un système de vidéosurveillance classique. Remplacer une pièce du circuit électrique par une pièce identique engendre le même résultat. En revanche, si la pièce remplacée n'est pas liée au circuit électrique, l'effet anormal de SCP-327 persiste. Ce résultat suggère que l'anomalie provient de l'ensemble du circuit électrique, bien que ce dernier ne semble pas présenter de différence avec celui d'un système de vidéosurveillance classique. D'autres tests ont aussi permis de déterminer que les événements imminents annoncés par les retransmissions sont inévitables, les caméras auxiliaires filmant exactement les mêmes images avec un angle légèrement différent quels que soient les moyens mis en œuvre pour empêcher ce qui a été annoncé de se produire. Certaines tentatives visant à détourner des événements prévus par SCP-327 ont mené à des phénomènes semblables à des dissociations de la réalité dans l'espace. L'hypothèse selon laquelle les caméras pourraient affecter la réalité dans leur champ de vision est envisagée, mais n'est pour l'instant pas confirmée. Il a aussi été observé hors des phases de test que SCP-327 est capable de créer des paradoxes temporels, par exemple en provoquant un événement qui est sa propre origine, voire Addendum 327-2. Rapport d'interview du 16 juillet 2016. Interviewé, Monsieur. Intervieweur, Dr. Sophalis. Une annonce de vente pour des caméras prévoyantes, mise en ligne par Monsieur. Attira l'attention de la Fondation le 14 juillet 2016. Un rendez-vous fut fixé avec Monsieur. Via un faux profil d'acheteur potentiel. Une fois sur place, celui-ci fut emmené, avec SCP-327, au site le plus proche par la FIM Delta Zero, les hommes en noir, se faisant passer pour des agents de police. Début de l'interview. Nous avons quelques questions à vous poser, ensuite vous pourrez partir. En revanche, nous gardons les caméras. Vous n'avez pas mon accord pour me les prendre, c'est du vol. D'où provient l'objet, je vous prie? Je suis responsable de parking au centre commercial de... C'est le système de vidéoprotection du parking où je travaille. Vous avez donc mis en vente un bien de l'État, qui ne vous appartient pas. Vous comprendrez, j'espère, que vous êtes mal placé pour parler de vol. D'autant plus que nous faisons partie de l'État. Cet objet nous appartient déjà. Cela étant dit, comment avez-vous découvert le potentiel de ces caméras? L'autre soir, le parking était fermé et j'allais rentrer chez moi. Puis j'ai vu un homme de dos portant la même tenue de service que moi à travers un poste de vidéo. Forcément, vu qu'il ne devait plus y avoir personne, et que je travaille seul, je suis allé voir. Il n'y avait pas un chat. Avez-vous une idée de qui il s'agissait? Quand je suis retourné à mon local, je me suis vu de face dans le retour vidéo d'un autre poste. Je faisais la même chose que le gars dans la vidéo d'avant. J'ai mis du temps avant de comprendre. Mais c'était moi, le gars. Dieu sait comment, cette caméra savait que j'allais me pointer pour vérifier s'il y avait quelqu'un. D'autres personnes que vous ont-elles vu cela? Non. Je l'ai gardé pour moi. Un truc comme ça. Il y avait moyen de le revendre cher. Je voulais pas me le faire voler. Ouais, bon, c'était déjà du vol selon vous. J'avais pensé à déposer un brevet là-dessus aussi, mais j'aurais pas su expliquer comment ce truc marche. Donc j'ai essayé de me faire discret pour qu'un type plus calé que moi là-dedans le fasse pas à ma place. Vous confirmez donc qu'à part vous et les potentiels lecteurs de votre annonce, personne ne sait que vous possédiez un tel appareil? Ouais. De toute façon, j'habite seul et je vois pas grand monde tous les jours. Bien. Alors nous en avons fini. On vous raccompagnera. Merci pour votre coopération. Fin de l'interview. Monsieur a été ramené chez lui et des amnésiques de classe C lui ont été administrés. L'annonce a été supprimée sous prétexte qu'il s'agissait d'un canular. Procédure de confinement spécial originelle, archivée suite à l'événement du
2017. Attention, ces procédures de confinement sont obsolètes. SCP-327 peut être utilisé en plus du système de vidéosurveillance de base de la Fondation. Afin d'observer d'éventuels changements de comportement de l'objet SCP, une caméra de surveillance non anormale doit être ajoutée à côté de chaque caméra de SCP-327 selon une orientation similaire, de manière à pouvoir comparer les images enregistrées par SCP-327 avec celles d'un système de vidéosurveillance ordinaire en permanence. Addendum 327-1. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au journal d'expérience 327. Addendum 327-2. Transcription de l'enregistrement audio de l'événement du 2017. Un enregistrement audio a été retrouvé dans le bureau du Dr. Hens, où ce dernier est décédé suite à une attaque de SCP-096. Avant l'attaque, il a diffusé une annonce vocale demandant au personnel du site de fermer les yeux. Ce qui suit est une traduction en français de l'audio retrouvé. Début de l'enregistrement. Je suis le Dr. Hens. Le personnel du site a été averti que... Inspiration. Que j'ai vu le visage de 96 dans ses caméras qui voient le futur. Il va donc sortir de sa cellule d'une seconde à l'autre. Respiration plus forte et plus rapide. Merde. Sanglots. Ne regardez surtout pas les bandes vidéo de SCP-327. Vous devez les détruire. Il a le visage de 96 dessus. Sur la bande il... L'alarme signalant une brèche de confinement retentit. Les hurlements de SCP-096 se rapprochant sont entendus. Non, 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 c'est pas vrai. Pitié, Seigneur. Supprimé. Fin de l'enregistrement. D'après les éléments recueillis, l'hypothèse la plus probable est que le Dr. Hens regardait la retransmission vidéo de SCP-327F et a vu SCP-096 sortir de sa cellule de confinement une minute avant que l'événement ait réellement lieu. Ayant vu le visage de SCP-096, il en aurait donc été la cible, provoquant la dite brèche qu'il avait pu voir sur la retransmission vidéo. Grâce à l'annonce diffusée à l'ensemble du personnel du site, le Dr. Hens fut la seule victime. Note, suite à cet incident, SCP-327 a été ramené au site Aleph et ses procédures de confinement ont été révisées. SCP-327 doit être gardé en tension au site Aleph. La mise sous tension de l'objet SCP doit être approuvée par au moins un membre du personnel de niveau 4 et n'est autorisée qu'à des fins de test. Lors des phases de test, seuls des membres du personnel de classe D sont autorisés à regarder les écrans de SCP-327 et doivent décrire en permanence ce qu'ils voient. Des recherches sont en cours pour mieux appréhender SCP-327 dans l'optique de pouvoir l'utiliser en toute sécurité.